Et salut tout le monde, c'est Sordige 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Link's Awakening. Aujourd'hui, nous allons faire, notre deuxième donjon. Et oui, parce que vous m'avez signalé que April Marée, c'était le deuxième donjon. Et du coup, on va le faire aujourd'hui. La dernière fois, je cherchais comment accéder, du coup, au marais des anémones. Et en fait, je suis pas du tout passé par le bon côté. Parce qu'en fait, moi, je cherchais ici. Parce que je voyais le marais là, du coup je cherchais là. Mais en fait il faut repasser dans la forêt, là où on avait eu le champignon, et passer ici, voilà, au niveau de la bâtisse de Mr. Wright. Et là aussi il y a un pépé qu'on doit appeler, bon bref, c'est le petit bâtiment là où il y a le pépé. Et du coup voilà, le marais est là, et je crois que ici c'est le deuxième donjon. Donc on va faire ça tout de suite, donc c'est parti. J'ai enlevé la poudre de mon inventaire, mince, oh là là, je fais n'importe quoi. Et ouais, j'ai enlevé la poudre de mon inventaire parce que ça commence à bien faire. Je l'ai utilisé deux fois pour rien aujourd'hui, ça m'énerve. Donc j'arrête avec la poudre. Ok, merci pour le cœur. Et du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de l'item dans ce deuxième donjon, mais j'aimerais bien un truc qui me permette de soulever les pierres. Et oui, parce que ça commence à m'énerver, je peux rien faire au niveau des pierres. Et il y a plein de passages à chaque fois. Alors, qu'est-ce que tu dis? Pépé le Ramolo. Pépé le Ramolo à l'appareil. Les fleurs du marais des anémones sont un des mets préférés de tout. C'est ce qu'on dit. Si tu sortes le promener, tu devrais aller y faire un tour. Salut, clic. Ok, bon ben voilà, il nous a expliqué comment on allait faire. Grâce à Toutou, on va pouvoir défoncer les fleurs du marais. Marais des anémones. Allez, let's go. Let's go, let's go. Toi, tu vas mourir. Voilà. Et du coup, ça... Ah oui, d'accord, ok. C'est que Toutou qui peut les défoncer. D'accord, ok, je comprends. Allez, meurs. Voilà. Bon, il y a l'espèce de petit poisson là. Ah, il est relou. Je vais me faire défoncer. Ok, est-ce qu'on peut toucher ça? Non. Ouais, on peut toucher sans trop de problème. Voilà. Toutou, vas-y. Voilà, super. Ok, heureusement que Toutou est là. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans ce marais? Genre, je sais pas, un quart de cœur, un truc. Peut-être un truc à creuser ici. Même si c'est de l'eau, on pourrait creuser. Je sais pas. C'est vrai qu'il me faut la pelle aussi. J'ai assez de rubis pour l'avoir. Du coup, il faudrait que j'aille un de ces quatre au magasin. Et du coup, là-bas, c'est l'entrée du deuxième donjon, je crois. Ok, allez. Vas-y. Super. Merci, Toutou. T'es trop fort. Et là, il y a un petit coffre. Du coup, j'espère qu'on va avoir un quart de cœur, un truc. Voilà. C'est quoi? C'est un rubis, d'accord, 50 rubis, c'est génial. Ça me fait, ah ouais, ça me fait 435 rubis quand même, hein. c'est pas négociable. Il faut vraiment que j'aille au magasin. Déjà parce qu'il faut que j'achète du coup la pelle. Et il me semble qu'il y a un autre item super cher qu'on devait acheter, il me semble. Grotte du génie, d'accord. Je peux rien soulever, ouais, je peux rien soulever. Donc on est bien au deuxième donjon, la grotte du génie. Donc c'est parti. Alors là il me faut de la poudre. Bon, la poudre, comme je vous ai dit, j'en ai plus trop. Du coup il va falloir faire attention. Très bien. Ok, j'ai toujours pas de clé, donc je peux pas passer. Ça a l'air d'être assez comment dire, assez linéaire ce donjon. Alors lui il me fonce dessus, d'accord. Les blancs ils se barrent et les verts ils me sautent dessus. Ok, la clé est géniale. On prend ça. Et du coup on va passer vers la gauche. Alors, je déteste ces espèces de boules électriques, là. Je sais pas si ça fait office de amp de Mario, ces espèces de boules électriques, mais bon. Et ça sert à quoi, en fait, de mettre de la poudre ici? Ça sert juste à éclairer les salles, en fait, j'ai l'impression. Ça a pas trop d'utilité. Ok. Oui, bah, je peux sauter. Je peux sauter. Hop, voilà. Mais vire, voilà. Ok, c'est quoi, ça? C'est un bec, d'accord, un bec de pierre. Bon, j'ai pas vu de statue pour le moment, donc on verra bien. Mais pour l'instant, ouais, y a rien. Ok, allez, on met de la poudre. De toute façon, la poudre, c'est pas très grave, hein. J'ai un champignon, je vous rappelle, donc... Ah ouais, mais les salles s'éteignent. Ah oui, c'est pourri, ça, par contre. Je pensais que les... Bah oui, pourquoi les flammes, elles s'éteignent sur la salle d'avant, là? Ok, c'est un peu bizarre. Ok, d'accord. J'ai Link qui a fait un saut assez bizarre. Allez, on va à droite. Et qu'est-ce qu'on a, là? Alors, on a le bec de pierre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si le sol élevé t'empêche de progresser, frappe le cristal scintillant. D'accord. Oh, je crois que j'ai fait bugger le mec. Je crois que je l'ai fait un peu bugger. Tiens. Ah non, non, je crois que c'est normal, en fait. D'accord. Je pense que t'étais pas obligé de... Mince. C'est quoi, ça?
Oui. Voilà. Ah, c'est comme les mots blancs en fait, sauf que c'est une mort. D'accord, ok, très bien. Ouais, je pense que t'étais pas censé baisser les pylônes quand il y avait le truc électrique. Non mais c'est une blague, il y a Siri qui... Non mais merci Siri, mais c'est pas ça que je te demande. Alors attendez, je fais une petite ellipse, il y a Siri qui me parle. Non mais elle est vraiment folle Siri, c'est pas possible. Elle me fait peur, hein. C'est pas la première fois qu'elle interagit comme ça dans une vidéo. Ah, très bien, il me donne de la poudre, c'est génial. Ok. On appuie sur le bouton, ça nous fait apparaître un coffre. J'aime bien les donjons de ce Zelda pour le moment. J'aime beaucoup, genre c'est assez linéaire, c'est facile à comprendre et tout. J'espère que ce sera un petit peu plus compliqué à l'avenir. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup les donjons de ce Zelda. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Oh, t'es Maskas. C'est vrai, j'ai mis du temps avant de comprendre. Oui. D'accord, ils m'ont repoussé. Alors ils me suivent, mais genre en mode... comment dire? Ils font l'inverse de ce que je fais. Peut-être comme ça. Oui, c'est comme ça, d'accord, ok. Oh, bah, voilà, ok, d'accord, c'est très bien. Ok, ok, j'ai compris. Et ça, ça sert à quoi ça? Je peux pas passer, hein, pour le moment, d'accord. Donc, il y avait des Maskas, comme je vous l'ai dit, hein. Il y a pas mal de personnages de Mario qui sont dans ce jeu. Je sais qu'à un moment, il y a des Boo aussi. Et il y a Wart aussi, il y a Wart. Si vous connaissez pas Wart, je vous expliquerai qui c'est ce personnage dans un futur épisode quand on le verra. Allez, virez de là. Voilà. Alors, quand le motif au sol sera unifié, le nouveau chemin s'ouvrira. C'est à dire... Ah, on peut les pousser. Ah oui, mais c'est bien de nous apprendre ça. Ok. Donc il faut les pousser comme ça, j'imagine. Voilà. Oui, c'est ça, ok. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps quand même. D'accord. Ah, peut-être un passage 2D. Ça serait drôle, ça. Parce qu'on avait vu le passage 2D dans le premier donjon. Ouais. Et du coup, dans le deuxième donjon, il y a aussi un passage 2D. C'est cool. J'aime bien. J'aime bien. C'est un petit peu Zelda plateforme. C'est cool. Ok. Bon, par contre, c'est pas au niveau d'un Mario, mais c'est sympa quand même. Ah, oh, des cœurs, merci. J'en voulais absolument. Par contre, la grotte du génie a l'air vraiment plus grande que la caverne flagello. Mince. Oh, je me suis trompé de bouton. Ok. Ça, à quoi ça? Oh, un mini-boss. Ok. Il a l'air un peu bête, hein. Un peu bêta. Ah, purée, il m'attaque. Ok, d'accord. Reste pas dessus. Oui. D'accord. En fait, il faut que je lui tourne autour. Ou peut-être il faut qu'il tombe. Ah non, non. Il faut juste que je lui tourne autour. D'accord. Il était pas très dur, lui, hein. Bon. J'ai été surpris au début, mais bon, c'est pas grave. Il me donne une clé. Enfin, une clé. Une fée. En plus, donc c'est génial. Ça sert à rien, le truc bleu, là. J'ai pas besoin de me TP. Ça, c'est des cœurs. Et j'en ai pas besoin pour le moment. Oh, mais c'est pas possible! Par contre, les ennemis te repoussent super fort hein, dans ce jeu. Alors, la créature aux grandes oreilles en premier et le chevalier crâne en dernier. Aux grandes oreilles en premier? Bah, j'ai pas vu de grandes oreilles pour le moment. C'est quoi ça? Ok, c'est un trou noir. Ok, d'accord. Merci. D'accord, un trou noir dans ce jeu, pourquoi pas. Ah, on a enfin la carte! Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu la carte et la boussole! Ils attendaient quoi pour nous la filer? D'accord, ok. Allez, on peut passer. Très bien. On a eu le premier mini-boss. Je sais pas. Oula, ok. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Super. Ouais, donc on a eu le premier mini-boss, mais on a toujours pas eu l'objet du donjon. Je sais pas si on va l'avoir, en fait. 20 rubis. Oh, joie. Ok, c'est cool. Là, on a la clé. Ah, ben les boues, ils sont là. Ok, je pense comprendre. Virer de là. Mince. Ok, voilà, comme ça. Et comme ça. Ben voilà, on les a fait fuir. D'accord, il fallait juste pas les battre. Il fallait les éblouir. Ah, enfin! Le bracelet de force, ben voilà. Enfin un truc utile. Ok, donc on va pouvoir avoir plein de cartes de cœur avec ça, ça va être génial. Oh là là, on peut enfin soulever les pots, ça m'avait manqué. Très bien. Alors, ça sert à quoi ça en fait?
Ça sert à quoi? Bon, déjà, il faut que j'aille en bas, ça c'est clair. Et d'ailleurs, la carte, attendez. Oui, parce que la carte, ils me l'ont toujours pas montré. Non, en fait, le donjon est pas si grand que ça. Donc là, je sais déjà qu'il y a un coffre à avoir avec le bracelet. Là, on a tout fait. Là, il y a une clé à avoir. Peut-être que c'est la clé du boss même. Ou peut-être c'est là-bas, je sais pas. Et là, il y a un truc pour descendre et tout. Bon, ça va. Le donjon a pas l'air si compliqué que ça, mais il a l'air plus long déjà que le premier. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, heureusement qu'il nous donne de la poudre. Hein. Ok. Voilà. Bon, ben, c'était simple. C'était simple. Et une clé, génial. Une petite clé, c'est magnifique. Très bien. On peut même... Oh, pourquoi je fais à chaque fois la poudre? On peut rentrer dans le coffre? Non, on peut pas. On va sauter. Voilà. On va soulever ça. Très bien, des cœurs. Je dis pas non. Oh, 4 cœurs. Génial. Ouais, il y a des petits blobs. On s'en fout. Toi, tu meurs. Ok. Bon, bah, lui, il est tombé. Oh, mince! Mais à chaque fois, je tombe, quoi. C'est pas possible. Oh, un fragment de force. Enfin, fragment de puissance. Bon, c'est un peu la même chose. Ok, très bien. On va plus vite, j'ai l'impression, quand on a le fragment de force. Oh, j'ai spammé le truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec ça, maintenant? C'est pas un truc à péter avec des bombes? Non, je pense pas. Ah! Oui. Non, on peut pas le pousser, ça. Alors, attendez. Ça sert à quoi, ce petit chemin-là? Il sert à rien, ce petit chemin, en fait. C'est juste une grande salle, ok, où il fallait alterner entre le haut et le bas. Là, il y a un petit truc. Ah, mais c'est ça! C'est ça dont il me parlait, non? Le truc avec les grandes oreilles, là, je sais pas quoi. Oui. Allez, vas-y, sors de là. Bon, toi, tu dégages, par contre. Voilà. Alors, viens là. Meurs. Ah, c'était pas comme ça, je crois. Non, ça devait être d'abord la créature aux grandes oreilles, puis le crâne, en fait. Ok, j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Ok, merci. Voilà. Allez, meurs, merci. Non, c'est pas comme ça. C'est comment, déjà? Je m'en souviens plus. Il faut que j'aille voir dans l'autre salle avec le bec. Ok, des Goombas, encore un truc de dés. Des plans piranha, mais bien sûr. Mais je vous ai dit qu'il y avait plein de références. Et d'ailleurs, on peut même éclater les Goombas comme ça. Hein. Bon, ok, elle a pas l'air de vouloir sortir. Moi, j'aime pas faire du mal aux plans piranha, mais bon, allons chercher. Ok, ici, il y a rien. Non, il y a rien du tout. C'est même pas un petit passage secret. On peut descendre. Et du coup, je crois même que ici, on a le bec qui nous disait... Ouais, la créature grande oreille en premier et le chevalier en... Ah! D'accord. Ok. J'ai compris. J'ai compris. En fait, il va falloir que je défonce donc le lapin, puis la chauve-souris et le crâne en dernier. Mince, oh, c'est pas possible. Je fais n'importe quoi. En plus, c'est débile parce que tu montes d'un escalier et tu ressors par l'échelle. Enfin, ça a aucun sens. Voilà. Voilà. Oh, on peut pas... Ah ouais, d'accord, on est obligé de prendre un pot. Tiens. Voilà. Et toi, tu vas mourir. Voilà. Eh ben super. Mais alors, la dernière fois, j'avais fait comment? Genre, peut-être que j'ai dû tuer en premier la chauve-souris. Ouais, ça doit être ça. Ok, la clé du boss, génial. Par contre, j'ai toujours pas la boussole. C'est une blague. La boussole, elle est où? Ah, par contre, il y a une petite clé, là. Attends. C'est la clé du boss ou c'est la... Non, c'est la petite clé. Ok, j'ai eu peur. Ouais, là, on a un lapin. Mais c'est trop mignon, ces ennemis. Pourquoi on les tue? Ils sont gentils. Allez, toi, tu meurs. Merci à toi. Et du coup, là, peut-être qu'on va avoir enfin la boussole. Ah, je crois pas, en fait. Non, non, ça doit être un étage assez inédit. Alors, c'est quoi, ça? Ok, ça tombe. Et on est obligé d'aller dessus pour que ça tombe. D'accord. Ok. Voilà, il n'y a rien du tout. Très bien. Ah, peut-être qu'il va falloir jouer avec les pots. Peut-être, je sais pas. Genre les balancer dessus. Ah mais non, vu que les pots s'éclatent en un coup. Non. Ok,
Bon bah, c'est plutôt simple. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, j'avais bien raison. Ouais, j'avais bien raison. Il faut bien garder en fait le pot. Vu que lui, il a l'air d'être assez fort, il va falloir prendre un pot et le garder sur sa tête. Allez. Descends. Ah, ça met du temps ce truc à descendre. C'est pas possible. Le temps est compté, mon ami, hein. J'ai pas toute ma vie. Allez. Voilà, c'est ça. Non, mais comme je vous ai dit, les énigmes de Zelda, c'est pas super compliqué, quoi. On n'est pas sur du Layton, mais quand même, ça demande un minimum de réflexion. Et là, on a le boss. Mais j'ai pas tout exploré, en fait. Et ça me chiffonne. Ça me chiffonne. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que on se fait le boss, et puis on revient et on explore. On peut faire ça. Oui, on va faire ça même. Ok, allez, c'est parti. Quel est le boss? C'est quoi? C'est un aspirateur? Non, c'est un vase. Ah, c'est un génie. D'accord. Nyaha, attends un peu que je m'occupe de toi. Nyaha. Je crois que c'est la première fois qu'un boss dans Zelda parle. Génie. Ok, très bien. Bon, le génie, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il balance du feu. D'accord, c'est un clown, en fait. C'est un génie clown. Il faut faire quoi? Mince. Peut-être le renvoyer? Non. D'accord. Ok. Ah, il est chaud. Ah, je ne peux pas bouger, mais ce n'est pas grave. Ta petite épée ne pourra rien briser. Ne pourra pas briser cette jarre. Même ses murs semblent bien plus solides que ton cure-dent. Ok, il faut que je le balance sur le mur. D'accord, ok. Nyaha, tant que j'aurai ma jarre, je serai invincible. C'est quand même assez drôle de voir un boss parler pendant son combat. C'est jamais arrivé, en fait. Allez, toi, tu dégages. Voilà. Allez, on prend. Et on le jette, voilà. Ok, c'est cool, j'aime bien. Bon, il a pas l'air super compliqué non plus, hein. 3 coups, je pense que c'est bon, on l'a défoncé. Allez, voilà, hop, j'esquive tout, hop, voilà. Super. Allez, merci, tu meurs. Hop, et voilà, 3 coups, c'est ça. Quoi, tu as osé, tu as cassé ma jarre? Alors là, je suis Furax. Ok, oula. Il fait quoi? Ok, il se dédouble, il va me foncer dessus, non? Wow. Oui, tu fais quoi là? Tiens. Ah, comme ça, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Ah, peut-être la poudre. Non, même pas. On peut rien faire en plus. Voilà. Oh, c'est simple. Mais est-ce qu'il y a un moyen de le différencier? Ok, non, c'est juste que je vais vers celui qui me semble être le bon. Ok. Wow. Ok, merci. D'accord. Alors là, ils ont les lèvres violettes, tous les deux. Je peux pas savoir qui est le bon. Ok, bon bah voilà, c'est un affrontement assez assez rigolo, mais ça va, il était pas mal comme deuxième boss. Ok. Et on a obtenu le réceptacle de cœur. Bon, par contre, la boule, là, elle peut se barrer maintenant, hein, quand même. Ok. Ouais, voilà, c'est bon. Ok, super. On a combien? 6 cœurs, c'est pas mal. Et on a obtenu... C'est quoi? C'est une trompette? Non, c'est une corne de brume. Non, je sais pas. Ça a l'air... un tuba? Je sais pas. Allez, c'est parti. C'est quoi? Vous avez obtenu la conque de l'écume. D'accord, ok. Ok, et bien nous voilà avec notre deuxième instrument. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas aller dans la prairie, monsieur. Je veux juste récupérer en fait les coffres qui me manquent. Par exemple, ça, je suis sûr que c'est la boussole, par exemple. Ah non, c'est un rubis. Un 50 rubis, même. D'accord. Ok. Mais où est la boussole, alors? Alors, attendez. Où est-ce que j'ai exploré et où est-ce que j'ai pas exploré? Donc là, c'est bon.
Là, c'est bon, là, c'est bon. Il me faut une clé pour aller là. Après, j'ai tout exploré, hein. Ah, ça fait un vase. Ah, vous avez vu la référence? Ok, ça fait un petit vase. Oh, c'est stylé. Ok. Allez, c'est parti. Là-bas. Mais... Ah, peut-être que... Alors, c'est une clé un petit peu cachée, s'il faut. Est-ce que je peux pas l'ouvrir? Ah, c'est verrouillé, vous devriez pouvoir l'ouvrir avec une petite clé. Ouais, mais la petite clé, je la trouve où? Parce que là, j'ai terminé le donjon. Ils m'ont pas reset mes objets, non? Si le sol t'empêche de progresser, frappe... Ouais, ça, on sait. Ah, peut-être que là-bas, j'y étais pas allé. Non, j'y étais pas allé! Et oui, c'est vrai! Et oui, c'est vrai qu'on avait la clé avec les masquasses. Ah, mince. On va retaper le cristal, voilà. Parfait. Et du coup, là, c'est quoi? Bah, ça doit être la boussole. Ça doit être la boussole, ouais. Bon, bah, toi, tu vas morfler, hein. Ah! Ok. Le masquasse est dur à cuire, voilà. Et on a obtenu, bon, du coup, la boussole, là, quand même. Parce qu'on a obtenu la carte, la boussole me semble être ici. Oui! Est-ce qu'on a raté des coffres? Et si vous vous rapprochez d'une clé, un son vous préviendra. C'est ça le progrès. Ah, d'accord! C'est pour ça que des fois, ça faisait ce petit bruit-là quand je montais l'épisode. D'accord. Ok. Alors, bah du coup, je crois que c'est bon, hein. On a tout obtenu? Bah oui. Bah oui, on a tout obtenu. D'accord. Ok, bon bah voilà, on peut terminer ce donjon. C'est juste que je voulais pas terminer le donjon comme ça à la va-vite. Je voulais vraiment le terminer à fond. Et puis c'est bon, voilà. On va pouvoir partir de ce donjon. Et en plus, eh bien, maintenant, on doit aller à la prairie. Mais c'est pas terminé, les amis. C'est pas terminé parce que maintenant, en fait, il y a pas mal de... comment ça s'appelle? Il y a pas mal de rochers, oui, qui nous bloquaient. Hein, ça nous bloquait. Et du coup, je voulais absolument récupérer quelques cartes de cœur. Par exemple, je sais que dans la grotte, là où il y avait le champignon, eh ben, il y avait un quart de cœur. Alors, vas-y. Ok. Oh là là, je me fais agresser, quoi. Allez, prends ça. Ouais, je sais d'ailleurs que aussi il y a un coffre qu'on n'avait pas récupéré la dernière fois. Ok, un petit cœur. Merci. Là, Toutou, vas-y. Toutou, il met quand même pas mal de temps avant de frapper, hein. Ok. Et voilà, c'est parti. Mais par contre, il mange des algues, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf comme nourriture. Ok. Alors, du coup, maintenant, on a la plume. Très bien. Toi, tu meurs, le like-like. Ok. Et là, du coup, on avait la petite grotte avec le coffre, il me semble. Oui, il y avait un coffre ici. Oh là là. Je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Voilà. Et est-ce qu'on peut les... On peut les soulever, ces crânes. Oui, on peut les soulever. Du coup, on va pouvoir récupérer le quart de cœur comme ça. Et c'est 50 rubis. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours ça de prix. Surtout que là, on a pas mal de rubis en stock, donc c'est cool. Alors, on ira dans le magasin dans le prochain épisode. Allez. Merci. Oh, il bouffe même les like-like. D'accord, il a pas peur, lui, hein. Il a pas peur, le petit toutou. Alors, du coup, c'était ici, il me semble, hein. Ouais, je crois que c'était là, le champignon. Oh, mince. Vas-y. Oh là là, je me fais défoncer. Ok. Ouais, il me semble que c'était ici. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est là. D'accord. Alors, concentration maximum. On pousse ça. On pousse ça. Oui, d'accord. Ok, c'est ça. Très bien. Et voilà. Un nouveau fragment de cœur. Et ça, c'est cool. Il me semble aussi qu'il y avait un rocher qui bloquait un coffre dans la forêt. Je sais plus du tout, hein. Je fais ça par instinct, mais je m'en souviens plus. Ok, allez, merci. Toutou, fais quelque chose. Ah, d'accord, il a failli tomber. Tiens. On l'a brûlé, d'accord. Ok, je pensais pas que la poudre pouvait brûler les ennemis comme ça. Très bien, et oui, il me semble qu'il y avait un coffre ici, je crois. Mais si, il y avait un coffre... Ah, on peut même soulever... Oh là. Ok, on peut même soulever maintenant les... comment ça s'appelle? Les herbes. Ah, voilà, c'est là. C'est là, c'est là. J'ai une bonne mémoire quand même, hein. J'ai quand même une bonne mémoire pour me rappeler de ça, parce que franchement, c'est pas évident, mine de rien. Et on a obtenu un coquillage, d'accord. À quoi peut-il bien servir? Là, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je crois que là, après, on a tout récupéré, hein.
au niveau des quarts de cœur, etc. Je crois qu'après c'est tout, on n'avait plus rien à faire, il me semble. Hein. Il me semble. Quoique, est-ce qu'il n'y avait pas un autre quart de cœur, je me demande. Je me demande. Si, il y avait un rondin de bois. Si, si, attendez. Si, si, il y avait un rondin de bois à un moment qui était bloqué. Bon, il n'y a plus rien. Ah, si, il y a quelque chose. D'accord. Oui, oui, c'est là, regardez, en plus. Ouais, c'est là. C'est le rondin de bois qui est bloqué, là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors. C'est du poison? Non, c'est de l'eau, je crois. Ok, c'est de l'eau. Ouais, on allume ça. C'est quoi? Une flamme violette, magnifique. Oh, d'accord. Dis donc, toi, tu as osé me réveiller. Je t'en suis reconnaissant, prépare-toi à subir mon remerciement. Si tu le veux bien, je vais te condamner à devoir transporter davantage de poudre magique. Hé hé hé, tu es prêt? Bah, c'est pas trop un châtiment, hein, mais ok. Même pas peur, oula, je me fais électrocuter quand même, hein. c'est pas ouf. Hé hé hé, bien fait pour toi, tu as vu tout ce que tu dois porter maintenant. Prends soin de toi à la revoyure. c'est le démon mais gentil, tu vois. C'est celui qui veut pas trop d'embêter. Enfin, il a cru quand même que ça allait nous saouler de porter plus de poudre magique alors que franchement c'est cool quoi. Ok, il est gentil ce petit démon. Donc à mon avis, lui c'est pour augmenter notre inventaire, c'est ça. Je peux rien faire avec ça, hein. Non, 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 je peux rien faire, je pense. Non, non, je peux rien faire. Ok, bon, bah là, il faut se rappeler qu'on a un quart de cœur. Et d'ailleurs, j'ai vu que, en fait, quand on va sur la carte, voilà, on peut mettre des petits signaux comme ça. Voilà. Donc là, je mets un cœur, par exemple, pour dire que c'est un quart de cœur. Là, c'est quoi? Hutte de la sorcière, d'accord, il nous indique les magasins. Très bien. Bon, bah, vous savez quoi, les amis? Ça fait 27 minutes. Ça fait 27 minutes et du coup, on va un petit peu avancer vers notre prochaine destination qui est la prairie. Et la prairie, c'est où d'ailleurs? La prairie, plaine cocoline, cimetière, morne plaine. Bon, ça doit être là-bas, hein, je pense. Plateau tartare, plage coco. Ouais, ça doit être là-bas. Ok. Allez, c'est parti. Donc là où on a un caillou, ça doit être là. Ah bah là, par exemple, je pense. C'est quoi? Chez Monique la lunatique, Marbobo. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est de l'eau, d'accord, c'est un petit puits. Très bien. Et c'est quoi ça, du coup? D'accord. Je suis Monique la Nulatique. Mon secret te remettra en forme. Mon secret coûte 28 rubis. Tu es intéressé? Bah oui. Voilà, merci bien. Je viens d'appliquer mon baume secret sur toi. Il agira si tu perds tous tes cœurs. Reviens quand tu veux. Et voici un petit bonus. Je restaure tous tes cœurs. Oh, c'est cool. Et du coup, attendez, c'est un item? C'est en flacon, c'est quoi? Ah, c'est là! Baume secret. Le baume spécial de Monique vous requinque en un clin d'œil. Donc en fait, c'est quoi? C'est un item qui te permet d'agir comme une fée, en fait. C'est quand tu meurs, elle te remet en forme, c'est ça? Ok, je pense que c'est ça. Très bien, donc là, on avait le cimetière, c'était pas par ici, il me semble. Ouais, ça devait être par là. Ok. Et là, on a... Ah oui, on a la sorcière, c'est vrai. On a la sorcière et tout. Ah, regardez. Ouais, ouais, ça doit être par là. Ça doit être par là, effectivement. Oui, oui, c'est carrément par là, en fait. C'est carrément par là. La prairie. Oh, coucou. Ou coucou, plutôt, en fait. Il sert à quoi, lui? Ok, il sert à rien. Oh, c'est Igor. Qu'est-ce qu'il fout là? Salut. Ah, c'est toi. Tu as fini ce que t'avais à faire, à ce que je vois. Alors, va dans ma cabane. Suffit de suivre la flèche sur cette pancarte. D'accord. Ça m'intéresse pas, Igor. Pas pour le moment, en tout cas. Alors, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh, un fragment de cœur. Donc, je pousse celui-là. Je fais ça. Je pousse lui. Je prends ça. Je dégage ça. Oh là là, c'est pas possible. Donc, déjà, il y a un coffre ici. C'est quoi? Ok, c'est un rubis. Encore 50 rubis. C'est cool. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va devoir le pousser comme ça. Le pousser comme ça. Prendre ça. Et le quart de cœur est à nous. Super. Bon ben voilà. Vous avez rassemblé 4 fragments de cœur. Votre nombre maximum de cœur augmente et votre énergie est restaurée. Et voilà. C'est cool. Bon, les quarts de cœur, je les cherche pas du tout, hein. Enfin, je vais dans des endroits, ils m'en donnent. Donc voilà quoi. À partir du moment où c'est comme ça, moi je veux bien avoir une barre d'énergie complète, hein.
Alors, et en plus, le pire, c'est que j'ai même pas besoin de regarder où que ce soit. Hein. C'est les quarts de cœur, vraiment, dans cet épisode, j'ai l'impression qu'ils te les donnent, quoi. C'est abusé. C'est quoi, ça? Ah, c'est encore le PP. D'accord. Mais oui, c'est la plaine, là, où il y avait les ennemis volants. Et oui, c'est vrai. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un tronc d'arbre, ici. Ah ouais, on est à côté du village. Et oui. Et oui, et oui, oui. Par contre, il me sert à quoi, le toutou, là? Il me sert plus à rien, non? Je sais pas. Alors, on va aller dans la petite cabane. Avec un téléphone, genre. Et quelques livres. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire, Pépé le Ramolo? Pépé le Ramolo à l'appareil! Tu devrais ramener toutou à Madame Miaou Miaou! Elle sera folle de joie. Salut, clic! Ah, ok. Bon, je devrais lui ramener, mais si j'ai pas envie. Hein, si je veux le garder, durant toute mon aventure. Est-ce qu'on va être bloqué parce qu'on a toutou? Non, je pense pas. Toutou, on va le garder pour nous. Alors, c'est quoi, ça? On a un petit piédestal. Tiens, vous sentez une puissante énergie émaner du haut de ces marches. Et si vous alliez voir de plus près? D'accord. Oh. Très bien. Sauvegarde. C'est quoi? Ah, prairie. Ok. On a activé la prairie. Et ça sert à nous téléporter? Ça sert à quoi, en fait? Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il y a pas mal de trucs, là, hein. Il y a vraiment pas mal de trucs. Ça doit être le prochain donjon, ça. Le prochain donjon va pas tarder, je pense. Mais par contre... Waouh! Oh, c'est dégueulasse. Ok, c'est dégueulasse, ça. C'est bien horrible. Oh! C'est quoi? On peut le taper? Non. De la poudre? Non. Ok, ça sert à rien. Très bien. C'est quoi, ça? Oula. Ouais, non, pour l'instant, ça sert à rien. D'accord, en fait, je crois que c'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment, ouais. Ici, y a rien, non. Ah, y a des bombes, là. Ok, y a un truc pour mettre des bombes ici. D'accord. Et où est-ce qu'il faut que j'aille, en fait? Il faut que j'aille où? Parce que là, on est dans la prairie, on est d'accord. Mais ils m'ont pas dit où je devais aller. Ah, ben là, oui, ok, c'est là le prochain donjon, d'accord, je vois. Mais il me faut une clé. Il me faut une clé, ouais. Ouvrir. Une serrure ici, voyons, serrure cyclope. Ouais, ouais, il me faut une clé. Et pour avoir cette clé, bah, je sais pas où faut aller. Je sais pas du tout où faut aller. Non, en fait, je crois qu'il faut que je ramène, tout simplement, le petit toutou à Madame Miaou Miaou. Je pense que c'est ça. Je te suis vraiment reconnaissante. C'est si gentil d'avoir ramené mon toutou. Comment te prouver ma gratitude? Ah, je sais. Bisous, bisous. Madame Miaou Miaou vous a récompensé pour votre gentillesse. Petit vénard. D'accord. Ok. Très bien. On a eu un petit bisou de Madame Miaou Miaou. Bon, par contre, on lui pète ses peaux. Voilà, en récompense. C'est quoi ces socles, là? On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce socle. Il est écrit toutou. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce socle. Il est écrit Kai Kai. Voulez-vous placer la figurine de Kai Kai? Ah, c'est comme ça. Ok, d'accord, c'est juste des figurines pour embellir le paysage. Enfin, pour embellir les maisons, quoi. Ah ouais, d'accord, je pensais que c'était beaucoup plus intéressant, en fait. Finalement, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors. Ah oui, regardez, il y a un Goomba. Et c'est quoi, ça? Il y a un Goomba et... Et un truc, alors attendez. On va faire ça et on va s'arrêter là. Attendez, il y a un Goomba, on va essayer de le choper. Et il y a un truc chelou. Oui. Maintenant. Allez, vite, 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 vite. Allez, prends. Mais prends-le. Mais qu'il est con. C'est pas possible. Elle est débile. Ah, ça va être chaud de les choper, hein. Mais c'est quoi ce bout de pierre, là? Allez. En plus, c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de choisir le déplacement vers la droite. Voilà. Maintenant. Bon, on le chope, là. Voilà! Parfait! Ok, on l'a eu. Ok, j'ai cru qu'il allait tomber. C'est quoi? Tu veux faire un autre essai? Bah ouais, ouais, ouais. Mais c'est quoi? Bon, ok, je sais pas. Très bien. Alors, lui.
Ok, je crois que je vais le choper en un coup d'ailleurs, lui. Mais quoi? Mais... Ah, c'est pas possible! Mon dieu. Allez, vas-y, viens, 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 viens. Oui, je l'ai eu. Allez, s'il te plaît, reste là. Au moins, on l'a dégagé de la plateforme qui bouge. Ça, c'est déjà bien. Non, c'est une blague! Mais attends, quoi? Bon, au moins, comme je vous ai dit, on l'a dégagé de la plateforme qui bouge. Oh là là, c'est pas possible. Ok, je l'ai eu ou pas? Voilà, c'est bon. Ok, super. Parfait. Eh ben voilà. Magnifique. Alors, il sert à quoi ce petit bout là? Je m'arrête là, ouais. Il sert à quoi ce petit bout de pierre? Merci. Alors, c'est quoi? Vous avez obtenu Carélite, une aura de mystère en émane. Carélite, je sais pas ce que c'est. Une figurine de Goomba. Saurez-vous résister à l'envie de lui sauter dessus? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc il va falloir trouver où mettre cette figurine de Goomba. Peut-être qu'on va devoir mettre cette figurine chez nous. Hein, je sais pas. Il me semble qu'il y avait un truc de la plante piranha là. Ouais, ici c'était un truc de plante piranha. Et là c'est quoi? On dirait qu'on peut placer quelque chose. Sur ce socle il est écrit Goomba. Bah voilà, parfait. Allez, on place la figurine de Goomba. Magnifique! Et ben voilà! C'est beaucoup plus joli comme ça. Mais la carélite, ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est qu'une carélite, parce que je ne sais absolument pas. Peut-être que ça va nous servir pour plus tard. Mais la carélite, aucune idée. Oh, il y a même du... Il y a un iris. Allez, on va se prendre le iris. Parce que je suis joueur. Je suis joueur aujourd'hui. Bon, après, on va les garder. Hein. Ok. Ok. Oh, parfait. Eh ben, je crois qu'on est parfaitement bien mis. Ah, ça va être chiant. Oh oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon ben voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Link's Awakening. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Et n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que c'est qu'une carélite parce que je ne sais pas. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.